Voici la deuxième partie de ce tuto pour bien débuter sur Animal Crossing. J'ai fait une pause, alors normalement, là, ça devrait être ouvert. Nook immobilier. Bienvenue, bienvenue. Ah, Juliette, c'est toi. Es-tu enfin prête à emménager? Bien, Juliette, j'ai fait les comptes concernant le prêt pour ta maison. Oui. Maintenant, parlons du prix. Vois-tu, nous ne pouvons pas te construire une maison tant que tu ne nous l'as pas demandé. Pour démarrer les travaux, un jet à compte de 10 000 clochettes est nécessaire. Qu'en dis-tu? Super, mais impossible de lancer la construction de ta maison tant que la compte n'est pas réglée. Ne t'inquiète pas, il est très facile de se faire de l'argent dans cette ville. Tu peux ramasser les fruits et des coquillages pour les vendre au magasin de recyclage. Dès que tu le pourras, achète un filet et une canne à pêche au Méli-Mélo de la rue commerçante. Ça te permettra d'aller attraper des insectes et des poissons que tu revendras à bon prix. De l'argent facile, je te dis. Pourquoi s'embêter avec un travail abrutissant et mal payé? Alors, quand tu auras réuni 10 000 clochettes, viens me voir surtout. Bon courage, bon courage! Donc maintenant, je vais vous montrer comment gagner de l'argent. Déjà, vous pouvez ramasser les fruits. Attendez, là, c'est la terre pour la poule. Là, comme la ville de ma sœur est assez avancée, il y a d'autres sortes de fruits. J'ai fait des lots. Pour ça, il faut rapprocher un fruit. Donc là, c'est votre inventaire. Il faut rapprocher un fruit à l'autre et ça vous fait un lot. Si c'est le même fruit, bien sûr. Attendez, sans les armes, c'est pas grave. Faut aussi secouer les arbres. Et parfois, il y a des essaims d'abeilles qui tombent ou des pièces. Et il faut essayer de les éviter, sauf que là, je suis sûre que je vais pas réussir. Je me suis fait piquer par des abeilles. Oui, 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 des abeilles t'ont piqué. Ça part dès que vous sauvegardez quitté, donc. C'est pas très grave. Et du coup, ça vous rapporte de l'argent. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Parfois, il y a des pièces qui tombent. Voyez. Après, quand vous avez de l'argent, je vous conseille d'acheter une pelle. Mais je sais pas là s'il y en a. Ah, mais j'en ai marre. Oui, parce que quand il y a des fruits parfaits, vos arbres ils pourrissent au bout d'un moment, on peut les replanter. Mais là, j'ai pas de hache. Pas grave, là il y a des pouvoirs normales, c'est largement mieux. Hein. Enfin non, c'est pas mieux, mais c'est plus pratique.
Alors là, je vais déjà aller vendre ça. J'aurai pas assez, hein, bien sûr. Je vais juste voir. Bah, autant prendre une deuxième pièce. Après, avec une pelle, vous pouvez récupérer des fossiles ou il y a des pièges aussi. Ou des gyroïdes. J'irai voir Amélie Mélo s'il n'y a pas une pelle. Bonjour Madame Grisette, j'aimerais te vendre quelque chose. Là, ils vont vous expliquer le fonctionnement de Mélie Mélo. Oh, bonjour Mélie. Alors, qu'est-ce que tu m'as apporté de beau aujourd'hui? Tiens, je jette un œil à ce cassettophone. Oui, je vois. Je t'en propose 210 clochettes. Sinon, tu peux aussi fixer ton propre prix et exposer la cassette de son à l'arrière pour qui sera intéressé. Vous pouvez mettre en vente des articles, des meubles. Pas trop cher parce que sinon les habitants ne vous l'achèteront pas, mais vous pouvez mettre plus cher que le prix qu'elle propose. Qu'est-ce que tu préfères? Non, le prix que tu proposes m'a l'air parfaitement honnête. Je préfère le vendre comptant. En fait, c'est un de nos clients qui nous a vendu ça, comme ça arrive tout le temps. Entendu. Il donne de l'argent. Merci pour cet article. Grâce à toi, nous avons toujours quelque chose à recycler ou à rénover. Nous serons toujours ravis de racheter les objets que les clients te ramènent. J'y penserai. Sur ce, je dois te laisser. Ah, bonjour. On s'est jamais vu. Si, je m'appelle Mélie. Mon frère et moi, on tient un magasin de la rue commerçante, le Brico Mélie Mélo. N'hésite pas à passer à l'occasion. Content de t'avoir rencontré. Bien content, oui. Désolé de t'avoir fait attendre. Bienvenue au magasin de recyclage, revente et retouche. Nous achetons divers objets et meubles pour les revendre. Nous payons notamment un bon prix pour les articles phares indiqués sur le panneau devant le magasin. Je vous expliquerai après. Tu peux nous vendre tes objets comptants ou les exposer à l'arrière de la boutique au prix de ton choix. Si tu possèdes quelque chose dont tu n'as plus besoin, n'hésite pas à me l'apporter. Je t'en propose un bon prix. Donc on va faire la même chose que Mélie. On va lui vendre les objets qu'on a récupérés. Oui, je peux t'aider? Je viens te vendre ça. Alors, qu'est-ce que tu as à me vendre? Dis-moi. Je sélectionne tout ce que je veux vendre. Et ça en fait des choses, dis donc. Je vais tout de suite faire le compte. Bon, alors voyons. Disons 9780 clochettes pour l'eau. Ça te paraît honnête? Vous avez vu là déjà? Vous avez déjà presque 10 000 clochettes. Oui, c'est d'accord. Merci pour tout. Reviens me voir avec d'autres articles. Donc c'est vraiment très simple de gagner de l'argent. Merci d'être venu chez nous. Reviens quand tu veux. Je suis sûre que là, j'aurais déjà assez. Hein. Ce qui me manque, presque rien. Bon, allez, je vais aller vendre tout ça. Je suppose que j'aurai assez. Alors, je vais vous expliquer pour l'article phare. C'est chaque jour, il y a un article qui se vend mieux que les autres, que d'habitude aussi. Revente et retouche, article phare du jour. Cicindèle O. Donc, si vous attrapez un insecte qui s'appelle Cicindèle avec un filet, vous le vendez, il se vend mieux que d'habitude. Et c'est pareil pour des vêtements, des hauts. Voilà. Bonjour, entre, tu es la bienvenue. Oui, je peux t'aider? Je viens te vendre ça. Alors, qu'est-ce que tu as à me vendre? Dis-moi. Je vends les poires que j'ai récupérées. Et ça en fait des choses, dis donc, je vais tout de suite faire le compte. Bon, alors voyons. Disons 2400 clochettes pour le lot, ça te paraît honnête? Oui, c'est d'accord. Merci pour tout. Reviens me voir avec d'autres articles. Vous avez vu, vous avez déjà 12 380 clochettes. Maintenant, je vais jeter un petit coup d'œil à ma maison. Il y a aussi des arbres. Parfois, quand vous les secouez, il y a des meubles qui tombent.
Bon, là, je m'en fiche un peu si je me refais piquer. Une autre pièce. Autant la récupérer. Hein. Voilà, vous avez vu, il y a un meuble qui est tombé. Je vais chez moi, là. Sur la carte, vous voyez votre maison. J'ai une lettre. Vous appuyez sur A. De l'équipe Nintendo. Bienvenue dans le monde... Chère Juliette, bienvenue dans le monde d'Animal Crossing. Installe-toi confortablement et prépare-toi à passer des moments inoubliables à New York. L'équipe d'Animal Crossing. Voilà. Il y a Marie qui va venir. J'espère que je ne dérange pas, Juliette. Waouh, c'est comme au camping. Merveilleux, ça me rappelle plein de souvenirs de jeunesse. Quand on se rassemblait autour du feu pour faire griller de la guimauve en chantant à tue-tête. On chantait quoi déjà? Ah oui, ça faisait... Non, bon, je vous épargne, je chante comme une casserole. Oh là là, que je suis mal polie, je vous ennuie avec mes histoires, toutes mes excuses. Bon, en fait, je suis venue pour vous apporter un petit quelque chose qui vous plaira sûrement. Elle vous donne un meuble. Les meubles, c'est les feuilles. Il s'agit d'une lanterne. Il me semblait en avoir vu une quelque part, alors j'ai fouillé la remise de la mairie. Et en effet, elle était rangée là. J'ai pensé que ce serait parfait pour vous qui dormez dans une tente. Vous pouvez ouvrir votre inventaire en touchant la petite valise, l'écran tactile ou en appuyant sur X. Sélectionnez ensuite la lanterne, puis posez pour placer dans votre pièce. Vous voulez bien essayer? Donc je dois essayer de mettre la lanterne. Là j'appuie sur poser. Et ça pose le meuble. Bravo, c'est exactement ça. À présent, placez-vous devant la lanterne et appuyez sur A pour l'allumer. Essayez donc pour voir. Oh, merveilleux! Cette antiquité marche encore. J'avais peur qu'elle soit tout encrassée. Quoi d'autre? Ah oui, si vous vous placez devant la lanterne... si vous vous placez devant la lanterne et maintenez A tout en utilisant le rond... Vous pouvez la tirer, la pousser ou l'orienter dans la direction souhaitée en la faisant pivoter. Alors allez-y, placez la lanterne comme vous voulez. Oh, mais il fait jour. Pas besoin de lanterne pour l'instant, si? Pour l'éteindre, il suffit d'appuyer de nouveau sur A. Et pour la replacer dans votre inventaire, appuyez sur Y. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Enfin, pour l'instant. Je viendrai peut-être encore vous embêter avec mes bons conseils. Je vous laisse, à plus tard. Je vais la pousser là. Non, je vais l'allumer.